j'espère que vous allez super bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation manga, donc d'une série qui s'est finie au mois de mars. Donc il s'agit de Secret de Yoshikito Nogai aux éditions Kiyun. Donc il est terminé en 3 tomes. Voilà. Et donc dans cette histoire, on va suivre 6 adolescents qui ont malheureusement vécu un drame. Voilà, ils devaient partir en vacances, malheureusement il y a eu un accident de bus et il va y rester plus que 6 survivants. Et il y a un psychologue donc du coup qui va les suivre forcément, puisque c'est un petit peu tragique, dramatique, tout ce que vous voulez, le jour où ça vous arrive, mais vous êtes complètement... voilà quoi. Et donc le psychologue va leur dire, je sais, j'ai des preuves, je sais que parmi vous il y a 3 meurtriers, je vous laisse une semaine pour y réfléchir et venir vous dénoncer. Donc de là, bien évidemment, les 6 collégiens au début n'y croient pas et tout ça. Donc bien sûr, je vais arrêter le résumé ici, je vais vous laisser... découvrir cette série si vous ne l'avez pas lu tout, vous ne l'avez toujours pas lu. Alors j'ai hésité grandement à vous la présenter sur ma chaîne, cette série, tout simplement parce qu'elle m'a pas transportée. Voilà, donc c'est l'auteur qui a fait également Judge et Dapt. Donc ces deux séries sont vraiment plus à la hauteur que Secret. Secret m'a presque déçue en fait. Là je suis en train de vous présenter un semi-flop, moyenne lecture pour ma part. Donc voilà, puisqu'il n'y a pas vraiment de révélation, il n'y a pas de suspense, enfin du moins j'ai pas trouvé le suspense ni rien, il n'y a pas assez de mystère, voilà, on sait très vite qui c'est finalement, et du coup bah, ça se finit assez vite comme on s'y attendait en fait, et c'est ça que je regrette dans cette série, tandis que dans Judge ou dans Dupt, je trouvais qu'il y avait plus de mystère, on était vraiment à fond dans l'histoire, donc voilà, personnellement pour Judge, c'est la première série que j'ai commencé de l'auteur, je me souviens carrément m'être procuré les 3 derniers tomes, tellement j'en pouvais plus d'attendre, et donc voilà. Mais là pour Secret, franchement... Donc voilà, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais acheté les tomes 2 et 3 en même temps, au mois de mars, tout simplement parce que je trouvais pas l'intérêt de lire le tome 2 tout de suite alors que je savais pratiquement ce qui allait se passer. Donc voilà, donc si je devais noter ce manga, je lui mettrais un 4,5 sur 10 parce que il m'a pas vraiment transporté que ça. Et je suis un petit peu déçue de l'auteur pour ce coup-ci. Et donc j'espère que s'il fait une nouvelle série, et bah qu'il se reprendra en main et qu'il nous fera une jolie série avec beaucoup de suspense et voilà, je pense que vous avez compris d'où c'est que je veux en venir. Bon voilà, en tout cas dans l'ensemble c'était sympa, mais il y a beaucoup de points négatifs, donc je peux pas vraiment vous la conseiller, vous dire allez-y, c'est du génial Yoshikito Nogai, alors que non, personnellement, si vous ne connaissez pas Yoshikito Nogai, je vous recommande plus Judge ou Dupt, comme vous voulez. Judge est fini en 6 tomes et Dupt en 4 tomes. Donc voilà, donc je vais vous montrer les tomes. Donc comme à son habitude, on a des petits personnages avec des petites têtes de lapin. Donc voilà, et il me semble que ce sera sa dernière série avec des têtes de lapin. Hein. Je sais pas ce qu'il va nous inventer pour... Et vous avez toujours une page couleur. Donc je vous montre les dessins. Sans vous spoiler. Voilà. Les dessins sont toujours aussi sympas dans l'ensemble, mais voilà, l'histoire était moyenne. Donc vous avez le tome 2, donc un tome pour chaque couleur, avec les bulles. Et le troisième tome qui est jaune, donc voilà, et toujours une page couleur. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que ma toute petite courte vidéo sur Secret vous aura plu. En tout cas moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc si vous avez quand même aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser vos avis sur Secret. Voilà, j'aimerais bien échanger avec vous sur Secret, savoir si pour vous ça a été un flop, une bonne série, que vous avez plutôt bien kiffé. Donc voilà, laissez-moi vos impressions en commentaire. Et si vous voulez partager la vidéo, et ben faites-le. donc voilà. Et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à prochaine.